Eh bien salut, c'est Agi, on se retrouve pour l'épisode 6 du jour avec les abonnés face à Didi. Et je vais m'excuser en avance parce que je suis un petit peu, beaucoup, malade. Donc on va voir comment on va pouvoir gérer ça dans la vidéo. On va commencer avec Little Mac puisqu'il vient d'arriver. On va voir quel personnage il va prendre et nous on va pouvoir bientôt lancer. Le niveau. Champ de bataille, destination finale. Alors aussi une chose, n'hésitez pas à demander aussi à Zolerx de faire du jouant avec les abonnés, puisque pour le moment il n'y a que moi qui reçois des demandes. Et on commence avec Roi Dadidou face à Little Mac. On va voir Didi, comment tu gères ton Roi Dadidou. Le dash, il m'envoie son, je crois que c'est le Gordo ce que ça s'appelait. Le dash, il s'en va, il va venir sur le timing, il m'envoie le Gordo, je mets mon bouclier. Le B-Up, je lui mets un F-Tilt, il revole, il m'envoie le Gordo ce qui met. Oh putain, ça fait plus mal quand même. Le smash côté. Je m'attendais à une roulade smash côté, mais non, il a roulé de l'autre côté, donc bien joué de sa part. Et là, sur le terrain, il me rejette un Gordos dans la gueule, c'est le marteau que j'ai pris, c'est pas le Gordos, donc ça fait un peu moins de mal. Un Gordos, le F-Tilt, je fonce dessus, j'ai tenté le smash haut en espérant une roulade, mais il a toujours pas roulé sur moi, donc ça, c'est encore très bien joué de sa part. Il roule pas sur moi quand je le fous à terre, ça c'est très très bien. Le dash, il va revenir sur le terrain, le Gordos, le B-Up, je fais attention. Ah, la petite étoile qui m'a touché, mais avec mon smash, l'invincibilité. C'est passé, mais bon, je l'ai pas touché avec mon smash. Il a voulu me mettre un smash, il s'est raté. Il essaie de m'aspirer, le B-side, le jab, double jab. Ok, il me l'envoie. Le Gordos, il passe au-dessus de moi. Le jab, le dash. Gordos, le B-up, faire attention. Je fonce smash, oh, et ça le tue. Waouh, pour un poids lourd, putain, il est mort quand même très rapidement. J'avais mon KO, mais le Gordos me l'a niqué. Il tente un smash côté chargé, ça marche pas. Le jab, ouh, double jab, il a fait un jab cancel et l'a rejabé. Il m'envoie avec son grave, il tente un smash côté, ça ne marche toujours pas. Le crabe raté, le tilt, dash. Ouh, ça s'enchaîne très très vite quand même. Le Gordo, il revient avec son bep encore sur le terrain. Je pense dessus, le smash haut, le smash côté, je renvoie son Gordo avec. Alors, c'est vrai que les Gordos sont faciles à envoyer. Hein. Pratiquement toutes les attaques renvoient ses projectiles. Le F-Tilt, je le renvoie encore dehors. Gordos, avec son B-Up à l'edge, très bien. Le smash, oh, il est passé. Je traverse mon invincibilité quand il est remonté. Le F-Tilt, toujours dehors, Didi. Tente de revenir. Oh, il a passé à travers mon bouclier. Le smash côté qu'il finit. Son dernier stock, moi il me reste 3 stocks pour le moment. Dash, Gordos, le jab. J'ai mon KO. Oh, jab cancel, il l'a refait encore une fois. Donc faire un jab cancel, c'est soit on fait le jab, non c'est le bouton A. Oh, oh le jab cancel le avec le KO. Magnifique. Bon, sinon pour le jab cancel, en fait, il suffit d'appuyer sur le bouton A, d'appuyer sur la direction du bas et refaire avec le bouton A. Il faut avoir un timing assez précis. Pour pouvoir le faire, c'est pas très compliqué, il suffit d'aller juste en entraînement. C'est le jab, hein, ça appuie sur le bouton A. C'est pas le finir complètement, c'est de foutre quelques coups, s'arrêter, donc le cancel, et recommencer. Donc 3 stocks parce que tu t'es pris le KO quand même. Allez, c'est ton match, on va prendre Dracaufeu en couleur bleue, couleur Schwindom. Destination finale. Ganondorf. Ah, la magnificence. Même si ça a été un peu moche en celui-là, le dash. Tant que le B-side, je remets un dash, il n'avait pas la portée. Le coup de queue enflammé. Oh oh. Le B-side, j'ai fait aussi un B-side, je me suis raté, il a tenté un smash, j'ai esquivé dedans, il a voulu me grab le jab. Je jette mon feu, comme ça il ne peut pas venir sur moi. Le B-bas, le neutral air, il revient avec son B-up très très mal, donc je vais finir avec des flammes. Il revient avec son B-up à l'aide cette fois-ci, mes flammes qui repassent, donc je peux pas me taper. Et il se suicide avec son B-side, je pense qu'il a voulu faire son B-up, mais il s'est trompé sur les touches. Le smash côté qui n'a pas touché. Le B-side qui fait très très mal, mais qui met des pourcents à Dracaufeu, c'était le temps de le voir. Le smash côté sur son béba, le dash quand il a voulu revenir, le coup de griffe, il revient avec son B-up, c'est bon, il met un de petits coups de poule. Le dash, le béba, il touche l'éclate rock, où j'ai une frappe d'invincibilité, le béba, il m'a tenté le smash, oh c'est raté, le grab je le rejette à l'arrière, toujours en dehors du terrain, et le B-side, le Ganondorf qui me tue, donc j'avais pas peur hein, parce que j'avais mes 3 vies. Donc au pire s'il suicidait, voilà maintenant il a une vie, j'ai 2 vies, donc j'ai une vie en avance. C'était vraiment pas grand chose le B-side.
Ok, il space le B-side, il peut me taper, voilà, si je ne tech pas, c'est-à-dire que je rebondis contre le sol avec le bouton R. Si je fais le bouton R, au moment où je tape le sol, je peux remonter sur place ou faire des roulades sur les côtés, comme ça il ne peut pas me punir. Mais avec le online, c'est un peu costaud. Le dash du Ganondorf, le coup de queue. Il revient avec son B-up, il fait une esquive, joli. Puis vous grave raté, smash côté. Qui me tue, waouh. Ganondorf, la puissance. Allez, poids lourd là-dedans, c'est des vrais bourrins. Il s'est rattrapé, le dash. Le B-side, voilà, tu vois, ça m'a mis quelques pourcents. C'est le bout de feu. Et il ne revient pas sur le terrain, c'est fini. Ganondorf, sa recovery est devenue beaucoup plus merdique que dans Brawl. Magnifique, on fait comme ça. Et bordel de merde, Sakurai, s'il te plaît, mets une épée à Ganondorf et pas que en moquerie, s'il te plaît, ça serait bien que le personnage ait dans ses moves une épée pour qu'il ait plus de portée au moins. Parce que Ganondorf, c'est pas non plus un perso complètement pété. Alors, on va prendre Megaman. Château du Dr. Willy, en destination finale. Oh, Luigi, la même couleur que Megaman. Donc je pose mon métal par terre, je tente la mine, je lâche mon métal, il me fait du jab, il n'a pas réussi, le dash. Je crois que c'est le Bebao, Luigi. Son B-up, il revient sur le terrain, j'envoie mon métal, mon missile, le grab, je jette vers l'avant, je tente le back air, il revient avec son B-side, je refais un grab, je jette en arrière. Il revient sur le terrain avec un A, je rejette. Le back air extrêmement puissant de Megaman, extrêmement chiant. Il a tenté de me graber, la petite tornade, le béba, le métal, là je tentais le grave, c'est raté. Le métal, toujours spacé son béba. Le smash côté, le métal, le missile, le métal que je pose par terre, que je prends dans les mains, que je jette après que l'explosion du missile. Le down tilt, la tornade, ouh, qui a failli tuer. Heureusement que t'as pas sauté, de toute façon t'avais plus de saut. T'aurais eu un saut, je serais mort. Alors, dans l'attaque tornade, faut vraiment éviter de sauter. Et le smash bas, puisque je l'ai puni sur son esquive. Un petit B-up pour rebondir. Mais malheureusement, j'ai fait mon pivot sans que je le prenais son smash. J'avais prévu. Le B-side, la tornade, double tornade, 28%. Le métal, le grave, je jette vers l'avant. Le feu, le métal. Pivot grave, je rejette vers l'avant. Le métal, il m'a touché avec son B-bas. Je le regrave, je le jette vers l'arrière. La tornade, c'est pas passé. Je le punis avec un smash côté sur son B côté. Le front air, le back air. Donc le forward air ou le front air, hein, les deux c'est pareil. Le back air en allant dans du terrain, il m'a tenté un smash côté, je jette mon métal. Je dash sur lui avec ma toupie. Le métal qui l'a arrêté, le missile, le métal, le smash côté qui après explose avec la mine. J'ai tenté le spike, c'est raté, il fait le B-up, je le regrave, je jette vers l'arrière. Bon, moi, ces combats bougent vraiment beaucoup, donc c'est vraiment très intéressant de les commenter. Il revient avec son B-side. J'ai tenté le smash, bah je me suis raté. Et ça, il a fait son B-up assez éloigné, donc j'ai pas pu le toucher, sinon j'aurais pu le toucher. Le métal, je le jette, je touche pas. Il revient avec son B-side, j'ai tenté le up tilt, pas touché. Le dash de Luigi. Ça space. Smash côté. Alors beaucoup de monde semble perdu quand même contre Megaman. Je crois que vous avez un peu du mal contre ce personnage là. C'est vrai que c'est un peu costaud. Le back air qui finit, Luigi à 172%. Smash haut. Je m'amuse à sauter. Le back air, je récupère mon métal. Ouh, c'est bon, t'es revenu. Le spike, on est revenu sur le terrain. Le back air, je reviens avec mon B-up. Je rebondis contre le mur, jette mon métal. Le dash, il fonce sur moi avec un dash. Je le grave, je jette vers l'arrière. Le feu, la tornade. Double tornade. Coup de feu, double coup de feu qui le touche. Ouh, le B-up, pour l'instant j'ai mis mon bouclier, mais de toute façon j'ai que 16%, ça n'aurait pas tué. Le up tilt, très puissant. Le back air, jette mon métal vers le haut, tornade. Le B-bar qui m'a touché. Je suis qu'à 19%, attention. Le métal, back air, 28%. Mon métal, je tire un petit peu dessus. Hop, pour lui mettre la pression, puisque ça le bloque, ça arrête ses attaques. Voilà, comme on peut le voir. Hop, j'avance vers lui. Gros gamin que je suis, pour arrêter ses flammes et le toucher en même temps. Jette le métal. Ouh, le smash côté, j'aurais pas dû esquiver. Smash bas, jette mon métal. Je le grave, je jette vers l'avant. Est-ce que c'est une tentative de spike? Non, le feu. Et il ne revient pas sur le terrain, puisqu'il a fait son B-side et qu'il m'a touché, qui
n'avait pas la PO pour pouvoir revenir avec sa recovery. C'est ce que je remarque. Hein. En tout cas, je joue avec les abonnés, je vois que vraiment beaucoup de monde ont du mal contre Megaman. Perso qui se passe assez bien. Ça coûte un petit peu galère. Meta Knight! Il était complètement nerfé, mais on s'en va les steaks. Sur champ de bataille. Dr. Mario! Alors la dernière fois que j'avais affronté Dr. Mario, j'ai perdu. Donc on va voir ce que ça donne. Une esquive, je dash, j'envoie avec mes up air, le jab. Il revient sur le terrain, le neutral air. Il prend son esquive comme ça le touche, parce que le neutral air dure super longtemps. Et down tilt, et down tilt pour spacer, il fonce dessus avec un dash. Pivot grab raté, grab. Le front air. Il revient sur le terrain. Ouh, c'était de justesse. Le grab avant. Je me rate. Le smash côté. J'ai fait un smash bas, il refait un smash côté. Mais j'étais déjà de l'autre côté. Tornade, je ne touche pas. Une tornade dash, je fais dash aussi. Il a le temps d'avoir bouclier. Ça grab. Ouh, le down air. J'aurais pu continuer hein, si je venais dans le terrain. Ouh, le smash côté qui a failli me toucher. Mais j'ai le temps de mettre mon bouclier et le mettre en parfait bloc. Le B-up. Complètement pourri. Le smash côté avec la petite taunt, la petite moquerie qui ne se fait pas du tout, aucun respect. Et le B-up, tu reviens pas avec Dr. Mario. Recovery assez merdique quand même. Alors je crois que Dr. Mario, quand t'as un saut, tu peux faire B-bas, c'est-à-dire tu sautes et tu fais B-bas. Ou B-bas tout seul, je sais pas, je connais pas ce personnage, mais je sais que j'ai déjà vu en vidéo. Avec ton B-bas, avec le saut ou tout seul, il peut remonter un petit peu et je pense avec ton B-up, tu revenais tranquillement. Le dash. Le dash, il me tape en se relevant, je suis par terre, j'envoie la tornade. Ça met plus rien devant la tornade. Pourri ce truc. C'était over abusé et over utilisé, ah, bah, c'est pour ça. Le grab vers le bas et maintenant ça se bâche. Oh le back air ne touche pas, le front tilt. Enfin. Ouh le smash côté. Ah, il fait peur avec ses smash côté. Hein. Quand même Dr. Mario fait très mal avec ses smash. Jab. Smash côté, ouh, il a reculé. Très très bien. Smash côté cette fois-ci qui te touche. Je viens sur toi, mais tu reviens. Le smash côté parce que tu aurais monté en tapant avec A. Et tu ne reviens pas sur le terrain. Tu vois, donc là, avec ton débat, je pense qu'il aura pu revenir encore une fois. Smash haut, il attend que je descends. Le grab, down tilt. Tentative de grab, le dash. Down tilt, le grab, il m'envoie vers l'arrière. Pas suffisant pour me tuer, le B7 pour revenir, le smash côté, je cours, ouh, le coup de pression, la tornade, il me grab, il me jette vers l'avant, smash côté, dash, tentative de grab, tentative de grab, tentative de grab, smash, non, je grab, il m'envoie vers l'arrière, je vais avec mon B-up, il m'a tenté un smash côté, j'ai eu le temps de le punir en courant et en grabant le B-up, le smash haut, neutral air. Le neutral air encore une fois, smash côté aussi, il est revenu sur le terrain en faisant une esquive, donc il a un gros lag. Il revient, parfait, moi je reviens avec mon B-up, le dash, je le grave, je jette par l'arrière. Le neutral air, parce que j'avais prédit son esquive, parce que je l'avais vu juste avant qu'il faisait son esquive, et il ne revient pas sur le terrain. Meta Knight. Alors là, il nous reste combien de combats? Il nous reste un combat ou deux? Restez en vie. On va prendre qui? On va prendre Lucilouille. Un des personnages préférés de cet opus. Sur Smashville. C'est parti contre Link Cartoon en noir avec les yeux rouges qui fait peur. La flèche. Ouh, il y a du lag. Ouh, il y a du méchant lag. Et ça, c'est chiant avec Lucina. Il faut racler le sol et il faut aller chercher les conseils. Ça c'est chaud. Le neutral air, il revient sur le terrain tranquille, il me met un coup d'épée. Le back air, voilà, je me suis raté. C'est chaud. Le smash côté en punition. Le mouvement, faire attention, c'est bon, j'ai mon bouclier. Tentative de grab, le dunk tilt. Le grab, il me jette vers l'avant. Il tente un smash, c'est raté. Encore un smash, je lui mets un smash côté pour le punir. J'aurais aussi pu très bien courir et faire un grab. Smash côté beaucoup plus puissant. Le back air dans son boomerang. Le smash côté. Il vient sur le terrain avec son petit cure-dent. Faire attention, le petit cure-dent, souvent les gens l'utilisent, mais
En croyant qu'on va aller en dessous, mais en fait on va pas en dessous. On fait genre hop, on va en dessous et en fait on se décale juste après. Et comme ça on peut finir. Souvent les cartons font ça, même les Link. Je prends le forward air, le buck, le up air. Il vient sur le terrain, il jette sa bombe dans la gueule. Plus aucun respect, boomerang, la bombe, il se la prend. Avec mon bouclier, ça rebondit. Le cure-dent, ouh, smash côté, j'étais pas sûr, toi t'as eu de la chance. Smash côté, et encore smash côté, et ça va te finir. Pourquoi t'as du méchant lag dans ce niveau-là? Alors, c'est peut-être le niveau qui fait ça, parce qu'il y a pas mal d'animations avec les planètes et les météores. Le grab, grab, je vais le chercher. Le cure-dent, il m'a touché cette fois-ci. J'aurais pu taquer contre le sol, je l'ai pas fait. Le grab vers le haut. Non, j'ai fait un grab bas et après j'ai tapé vers le haut. Smash côté. Contre R. Contre R. Smash côté encore une fois. Je le grab, je cours. Et on va vers l'arrière. Le up air. Encore le cure-dent. Smash côté pour te punir. C'est ce que je disais. Mais faut faire très attention. Le back air. Je le dégage. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Non, il revient pas. Si, avec le bump, il aura pu revenir s'il avait teké. Puisque quand on tape et si on rebondit contre la paroi sur les côtés, on peut aussi péter. Et bon, le B-up l'a tué. Dommage. Alors, le grab, grab. Il m'attend, smash côté, front R, T. Ça, c'est à cause du lag, hein. On est vraiment plus précis avec Lucina ou Marf. Donc vraiment des personnages qui sautent et qu'il faut taper sur le sol. Smash côté pour punir son smash côté. Le cure-dent. Qui est le down air, hein, le abat de Link Cartoon. Le grab, je jette vers l'avant. Je tente le grab. Il fait des esquives, le grab qui se rate, j'ai voulu regraber aussi. Il s'amuse à esquiver Didi. Esquive, esquive, grab. Waouh, passionnant là. Le B-side, ça lag. Donc voilà, j'ai pas réussi mon dernier coup. Le timing change. Ah les lags, c'est quasi impossible à jouer. Heureusement c'est le dernier match. Le baquet a raté, il me met le cure-dent. Le contre sur son dash. Le cure-dent encore une fois, le grab. Je jette vers l'avant. Je tente d'aller le chercher. Smash côté. Oh, t'es inscrit au bon moment. Encore smash côté, tu vois j'avais mis mon compte, je l'avais prédit. Mais c'était un petit peu, je l'ai mis un petit peu trop en avance. Ce lag de l'enfer. Je saute le backer. Il tente de revenir sur terrain. Backer, parce que j'étais retourné. Bref, on va arrêter de parler comme ça. La flèche, le dash. Smash est raté. Il a une bombe, il fait que des esquives jusqu'au fond. Le dash, il me touche. Il avait voulu mettre un smash, mais avec mon neutre à l'air, c'est passé. Le cure-dent, encore une fois, j'ai voulu punir avec un smash. Mais à cause de ce foutu lag, je me suis raté encore une fois. Le smash. Le cure-dent. Le smash qui passe cette fois-ci. Et c'est fini. Eh bien, bravo à toi. Et si toi aussi, tu veux participer ou jouer avec les abonnés, je te mets le lien de la vidéo dans la description hein, pour avoir les règles. Et je te rappelle aussi que Zozo peut aussi jouer avec toi. Parce que pour le moment, il n'y a que moi qui reçois des demandes. Même un petit peu trop. Donc je peux vraiment pas tout organiser. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi Zozo. Allez, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut.